Bonjour, bienvenue à Ski Explique, la toute nouvelle capsule vous permettant de trouver la paire de skis qui vous convienne. Tout au long de ces capsules, les représentants des compagnies décortiqueront leurs produits afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Bonjour, mon nom est Pierre Bédard, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la compagnie Dynastar. Voici le Contact Cross, tout nouveau ski de la famille Contact. Il s'agit d'un ski de piste polyvalent pour les skieurs intermédiaires, intermédiaires avancés. Allons rejoindre Pierre Bédard pour en savoir un peu plus. Contact Cross. Contact Cross, le mot le dit, c'est un ski aussi tout-terrain. Un ski un peu moins large au patin que le 4x4, un peu basé sur la même technologie. Mais quand on parlait tantôt de pourcentage où est-ce que le ski peut se situer, c'est un ski qui, lui, au contraire du 4x4, est un peu à l'inverse. Des pourcentages, donc je dirais 70% hard pack et 30% hors piste ou sous bois. C'est un ski avec un sidewall inversé. Donc, un ski avec un sidewall beaucoup plus rigide à l'avant et beaucoup plus mou à l'arrière. OK? On a un ski là où on veut faire du hard pack, c'est ici que ça se passe, au devant du ski, où on va loader le devant du ski, un peu comme un ski de géant. Donc, un ski de géant, ça se passe au devant du ski. On est capable de loader le devant du ski, ça prend un ski rigide parce qu'on est sur une surface dure. Dans ce cas-là, on utilise un sidewall plus rigide à l'avant, plus souple à l'arrière pour laisser aller le ski tout dépendant du virage qu'on veut avoir. Il faut crinquer des virages à haute vitesse, mais aussi il va être capable de aussi faire des petits virages du côté des pistes très facilement aussi. C'est facile à pivoter avec un tel aussi qui est arrondi vers l'arrière. Aussi, c'est que le sidewall aussi en avant va permettre d'avoir une facilité d'accroche aussi, contrairement à une construction cap où il y a beaucoup plus de torsion. Avec une construction sidewall, on a un ski qui est beaucoup plus rigide en torsion, donc initiation de virage ultra rapide. Dès que le ski touche la neige, c'est une initiation de virage. Un ski avec une courbe de géant, donc 16 à 17, 18 mètres de rayon, tout dépendant des longueurs. Un peu comme le 4x4, mais à 72 mm au patin, on se retrouve à avoir un ski moins polyvalent au niveau des neiges molles et des sous-bois. Donc, le Contact Cross, sa particularité, c'est un peu un ski comme un GS Oversize. Donc, un GS Oversize, on arrive avec un ski géant, mais avec une spatule beaucoup plus large, donc pour initier les virages. Tout le monde sait qu'un géant, ça prend une certaine vitesse pour être capable de tourner. Un ski géant, ça prend une certaine vitesse pour commencer à initier un virage. Un peu le même feeling avec ça, mais avec une vitesse beaucoup plus réduite. On peut commencer à crinquer des virages facilement sur le bord des pistes et facilement en carving aussi, des GS carving facilement, contrairement à un ski géant, lui, qui va falloir aller à Mach 3 avant de commencer à faire des virages. Ce qui est le fun avec ce ski-là, c'est que c'est même avec une pente qui est plus ou moins abrupte, ou plus ou moins durcie, contrairement à un ski géant, c'est qu'on va être capable de faire des virages beaucoup plus variés. Pourquoi acheter le Ski Cross? Pour pouvoir se permettre d'avoir un ski performant sans avoir à payer 1500 ou 1400 pour avoir un ski géant. On peut se permettre d'avoir un ski à 849 qui va vous donner autant qu'un ski de course. Si vous n'êtes pas un coureur, c'est un ski récréatif, c'est le ski idéal.
We'll be right back.